Alors, calcul mental quand tu nous tiens. Jean-Christophe, je me suis toujours demandé si vous étiez calé en calcul mental. Ah. 6 fois 54. 6 fois 54, 324. Ouf. 1276 moins 12. 1276 moins 12, 1264. Bon, écoutez, de toute façon, je ne vais pas vérifier. J'ai ici de quoi... Mes enfants seront fiers de moi. J'ai une belle appli pour vous exercer. C'est un jeune Bruxellois, il s'appelle Franklin Schrenz. Il a 17 ans et en 5 jours, pendant les vacances du carnaval, il a programmé... Il s'ennuyait et donc il a fait une appli. Non, pas tout à fait. Il a, pendant 5 jours, il a fait cette appli qui est en fait une appli de calcul mental, comme je viens de le dire. Elle a été déjà téléchargée, tenez-vous bien, 7000 fois en quelques jours. Il est en dernière année d'humanité au lycée français. On l'écoute. Vous allez voir, il faisait déjà des sites internet à l'âge de 12 ans. On l'écoute. En réalité, c'est ma professeure de mathématiques à l'école qui m'a dit que j'étais pas assez fort en calcul mental, donc j'ai décidé de créer un outil sur iPhone pour essayer de m'améliorer. Et au début, l'application était pour moi, donc je l'ai utilisée pendant quelques jours et je trouvais que je me suis amélioré en calcul mental. Puis je me suis dit pourquoi ne pas la mettre sur l'App Store. Alors je l'ai publiée et j'étais assez content que Apple l'accepte. Et après quelques jours, elle a eu des milliers de téléchargements et à l'heure où je vous parle, elle est la septième application la plus téléchargée en Belgique. Voilà, c'est quand même incroyable. Alors là, elle est là devant vous. Mental Math Challenge, Start the Madness, on commence la folie. Voilà, vous avez toute une série d'opérations, des additions, des soustractions, des divisions, multiplications, aléatoires. Bon, au départ, ça commence cool, on va dire. 72, je crois. Voilà. Bravo. Ici, allez-y, 57. On y va. Au début, ça va bien. Alors, vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Ouais. Chaque fois que vous avez une bonne opération, vous avez 1,2, une seconde de plus. Ouais, et là, vous perdez du temps, mais Philippe. Mais ça, c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est vous de le dire. Les additions, c'est 5 points, mais si vous faites une division, c'est 20 points. Alors, vous pouvez, en fin de parcours, vous pouvez avoir votre total. Alors, le record, apparemment, c'est 240 points. Moi, je suis arrivé péniblement à 130, donc vous voyez un petit peu. Bon, évidemment, cela dépend un petit peu sur... voilà, ici, on n'a rien fait, on a fait 25 points. 25, pas top. Hein. Ça dépend un petit peu des calculs aléatoires. Ce qui est important, c'est une véritable gymnastique pour le cerveau, puisque normalement, dès qu'on a un calcul, qu'est-ce qu'on fait? On prend la calculette. Eh bien, ici, on devient vraiment accro, je vous assure, hein, dans le tram, dans les bus, on fait du calcul mental. Elle est disponible sur iOS seulement. Franklin va la mettre sur Android bientôt et va... développer des algorithmes pour avoir des calculs un petit peu plus compliqués. Mais plus vous montez de niveau, plus c'est compliqué. Ouais, très bien. C'est gratuit et c'est sur l'App Store, donc uniquement sur iOS. Et on vous a convaincu, hein. On y va pour les calculs mentaux. Bon, pas sûr. Allez, voilà, oui, allez, merci quand même. Merci quand même.